Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'air et dans quel pays, dans le moment où on a parlé là, ou à partant et ou à regarder l'émission. Si là, mesdames, messieurs, rapide, nous pas perdre du temps avant d'entrer dans chaque point qui peut le faire. Essentielle émission pour journée, jeudi à là. Comme nous gagnons un projectile qui perce vite, et bien, 7e étage, bâtiment qui siège, n'a comme non. Mesdames, messieurs, nous pas avoir plus de détails. De l'autre côté, la police nationale d'Haïti, rivait déposer la patte sous un gros taureau, mesdames, messieurs, dans ce qui vient pour avec trafic d'armes à feu et munitions dans le pays d'Haïti. Nous pas gagner pour nous mettre photo là, avec toute information pour vous. Et bien, mesdames, messieurs, toute décision, conseil présidentiel transition, on pourra le prendre. Et bien, yo tout pral gen pou wè avec ça la loi dit et c'est consentement tout conseiller yo selon ça et bien président conseil là n'a pas l'aidé Edgar Leblanc fils mesdames messieurs lui même li fait connait. L'autre côté, mesdames, messieurs, on a parlé de, eh bien, 200 policiers kenyans qui doivent entrer dans le pays d'Haïti le 23 mai prochain dans le cadre de déploiement force multinationale en Haïti. C'est ça la presse dans le pays Kenya, eux-mêmes, ils font qu'on est. Eh bien, mesdames, messieurs, n'a pas dû rester là dans l'émission, hein. Et n'a pas connu tous ces frites Belize, mesdames, messieurs, que yo proposé pour ta vie, nouveau premier ministre pays d'Haïti. C'est pour ça avec un pilote qui peut le faire essentiel l'émission. Merci à vous qui abonnez déjà. Merci à vous qui pouvez vous abonner. Cap abonner dans le moment, n'a pas là. Abonner, commenter, liker, partager. Mandez yon famille, yon amis, yon prochain camarade, yon collègue. Fait même bagay avec vous qui s'est abonné, commenter, liker, partager. Chaque vidéo nous lague. Pour plus pour capable de découvrir média rapide, nous pas perdre du temps à partir directement dans chaque point déjà averti qui t'a pour faire essentiel émission ça. Green Ball river percé yon vite dans 7e étage bâtiment côté Natcom logea qui loge colli dans pont Morin, mesdames messieurs. Et bien c'est entre angle avenue Martin Luther King avec Louis Fernand, mesdames messieurs. Et bien forme d'où pas de monde qui percé avec cartouche là yon individu vient arrestation et plusieurs armes à feu et munitions saisies par la police nationale d'Haïti dans quartier Morin. Et bien forme dit nous enquêteur bureau lutte contre trafic et stupéfiants dans palais de BLTS et DCPJ en détachement dans nord et bien effectué hier qui était 29 avril 2024 là yon opération de fouille de manière conjointe avec agent brigade surveillance douanier yo au Haïtien dans niveau cap terminal SA CTSA quartier Morin ou bien cap D à l'intérieur yon conteneur, mesdames messieurs, yon trouvé deux armes à feu de type pistolet calibre 9 mm 13 cartouches de calibre 9 mm et deux chargeurs. Et bien mesdames messieurs, la police rivé yon en dedans yon doum bleu. Et bien conteneur ça été immatriculé mesdames messieurs cosu 461-487-6 et numéro CLA c'est eh bien KOSL 298-594-231-331. Mesdames, messieurs, eh bien, forme d'où conteneur ça a été sorti aux États-Unis. Il a transporté par agence Aliens International Shipping LLC 6916 NW 72 ND avenue Miami Florida 331-66. Et bien forme d'où c'était Wilkin Etienne et bien qui fait en 1984 cap haïtien. Et bien c'est monsieur yo joine qui était et bien là pour aller recevoir cartouche ça yo avec exam ça yo identifié dans numéro 004-988-024-8. Et bien suite avec découverte ça Jacques Joseph qui yo joine bien Togo qui c'est représentant destinataire là identifié dans numéro 006-497-402-3 li joine arrestation li par enquête BLTS yo pour et bien présumé implication dans trafic international d'armes à feu et de munitions. Mesdames messieurs, fondou tout gagne un juge de peine réduction ça qui était lui-même à faire constat légal yo dans moment on a parlé là Jacques Joseph lui-même li garder à vie. Mesdames messieurs,
l'attendre Jijio capable faire suite et dans ça qui gagne pour avec dossier si là et puis on m'a dit oui Haïti c'est son question de et bandi qui cause pas rentrer en Haïti bandi ben voilà alors est-ce que c'est même même dans diaspora encore capable métier en Haïti c'est même ouais zam ça est-ce que c'est pourquoi on était au vini non c'est même yo même encore qui était dans diaspora qui voyait zam avec balle en Haïti alors que Rodou Abdou au oui pays a pas bon Haïti pas bon alors que il y a travers au détriment d'Haïti nous comprenons diaspora faire spendre nous dans grand pays nous comment pays fonctionner non nous prend plaisir nous sur toute restriction dans grand pays mais n'a vous écraser pas nous bande cochon excusez-moi d'expression bande malpropre bande malpropre. Toute décision conseil présidentiel transition pral prend la prend avec transparence. Mes paroles ça c'est Edgar Leblanc fils qui fait connaître journée jeudi à qui c'est mardi 30 avril 2024 là. Après au final annoncé que c'est lui-même qui désire comme président conseil président conseil présidentiel là. Eh bien ces déclarations ça s'est fait. Lui fait connaître que moi c'est un simple coordonnateur et toute décision ça yo pral prend en conseil ça veut dire il pas fait cavalier seul et mes femmes nous c'est également et une majorité qui met monsieur une majorité qui met monsieur majorité ça bon et c'est li gagne Edgar Leblanc qui vient président et puis li gagne Smith Augustin li gagne Gérald Gilles et puis il gagne Emmanuel Fertilier et au même oui et au même qui mettait missier mais même yo même encore yo proposons l'autre monde là yo proposer un certain de Fritz Belize mais c'est lui même il était ministre sport sous Préval avec Alexis sous Préval avec Alexis monsieur était ministre sport mais c'est monsieur désiré et bien pour ta vienne premier ministre pays d'Haïti qui résultat kabay nous pas connaît. Parce que yo di nous c'est dans pied mio n'a connait vrai maçon yo. Et ben non, j'ai qu'on regarde au monde pour dire ah monsieur son vrai boss maçon. Mais c'est pendant que truel là mais pendant que truel là mais pendant li gen pèl là mais pendant li gen niveau la fait aplomb. C'est les sont capable dire mais c'est son vrai maçon. Mais si on regarde nèg qui vrai maçon, n'importe nèg qui ca met ton casse dans tête li là, les mon vieux maçon maçon ou pas pour gros boss maçon et les plus souvent charlatan yo même yo gen plus prestance que professionnel yo. Vous comprenez? Charlatan yo souvent gen plus prestance que professionnel yo. Ça veut dire on va quand on garde un danger ou bien sous prestance li pour dire monsieur lui même lui pas ba résultat. Non ça Haïti là, nous besoin nèg qui gen volonté. Mais premier bagage m'a demandé conseil là, ou même ba c'est moi pour commencer ouais tes résultat. Mais premier bagage m'a demandé conseil là, c'est à mettre Jean-Ernest Muscadet comme DG PNH là. C'est à mettre et puis pas politiser s'il vous plaît. Mettez Jean-Ernest Muscadet comme DG PNH là et puis accompagner pas piéger, pas politiser. C'est premier bagage moi-même m'a demandé conseil Champrelza. Conseil présidentiel transition ça. Premier bagage m'a demandé. C'est à garder sous calme bail sécurité dans pays. Moi qui t'a parlé des élections. Moi quand j'ai parlé d'élection, nous pas qu'on parler d'élection, nous dans Haïti là. Faut que nous pensions retirer Haïti côté lieu là avant oui. Après dans et penser pour élection. Alors ça penser parce que qui côté campagne va le faire. Parce que gagner yon urgence oui merci dans pays d'Haïti dans moment n'a parlé là. Mais pas nous monsieur malhonnête oui mais c'est vivant sans mieux. Ou que nous jodi a, nous yo frappé dans Delma 24 encore. Population par contre qui c'est pour les Delma 24 et Solino, zone ça on yo al frappé la matin. Il a fait révolution, ou pas comprendre rien. Pas voir côté papa, il y a 200 policiers t'a doué arriver dans Port-au-Prince dans jusqu'à 23 mai prochain là dans cadre déploiement force multinationale ça en Haïti. C'est ça la presse kenyane yo même y a parlé jeudi là et bien c'est ça yo dit autorité locale dans pays Kenya yo même y a parlé selon ça et bien Kenyans lui même lui fait connaître qui c'est yo média et dans pays Kenya et dans moment n'a parlé là États-Unis a construit baraquement et mais pour héberger troupes ça qui pourrait faire partie de force là. Mais faut que nous notons que vendredi dernier Canada lui même il était mettait fin avec formation plusieurs officiers qui t'a doué faire partie force multinationale en Haïti.
notamment des Jamaïcains, mesdames, messieurs. Eh bien, 23 mai qui viennent là, eh bien, 200 policiers kenyans ont entré en Haïti. Oh my God, à la belle. En tout cas, Napsib, mesdames, messieurs, pas oublier d'abonner, commenter, liker, partager chaque vidéo. Nous la gagnons une manière pour plus pour nous capables de découvrir mes diamants, pour nous capables d'encourager le travail là. Allez,